Bien, mes frères de l'Amérique, et bien, 45 ans, et bien, me venir ici, et ni divorcé. Ouais, les dignes ont vidé que l'ado 25 à 35 ans, aussi gloire 38 ans, nous y a en relation, et nous sérieux là-haut. Alors, à travers cette vidéo, je voudrais donner l'opportunité à certains hommes et certaines femmes de trouver l'amour. En bas, les hommes en particulier, je voudrais que vous mettez une annonce bien détaillée, votre âge, ce que vous recherchez, où vous habitez et où vous voulez que la personne habite en fait. Ouais, ces vidéos comme ça là. Voilà, ouais, des vidéos comme ça là. Et souvent, les toiles à dire surtout sur TikTok là. Oh, beaucoup de temps. C'est à ce moment-là que tu vas te rendre compte que vraiment la vie est difficile, la vie est dure. Et une des raisons pour lesquelles la vie est dure, c'est qu'il y a des femmes qui cherchent des maris. Il y a des hommes qui cherchent des femmes par n'importe quel moyen. Et tu vas tomber sur des vidéos comme ça, des frères qui sont dans tel état, qui cherchent femmes et tout ça là. Et les femmes aussi sont, voilà, dans les inbox de ces personnes-là qui font ces vidéos-là pour vraiment qu'on les mette en contact avec ces gars-là. Chercher sa femme ou bien son mari sur Internet, là, c'est devenu quelque chose de... Mais le grand frère ici, vous le connaissez très bien, il a mis le point sur un aspect de ce truc-là. Vous ne pouvez pas imaginer que ces choses-là, ce sont des business que les gens sont en train de gérer. Hein? Voilà, les nous gommer, d'où. En tout cas, dans cette vidéo, voilà, dans cet épisode de Hello Talk, voilà, je vais vous donner un peu les détails, hein, de comment est-ce que les gens. En tout cas, je m'appelle Julien Kéyon, je vous souhaite tous la bienvenue à ce nouvel épisode de Hello Talk. Voilà, en plus de ce cas-là, on va parler du cas d'un passeur. Et puis, hey, allez, let's go. On est tout dit, mais est-ce que vraiment on est tout dit? Ok. Lelo, c'est la vie. Hot 40 Campus Talent, c'est une histoire de talent en art et en technologie, voilà. Infinix et puis Omega Intelligentsia Group et Esli Prod, voilà, se sont mis d'accord, se sont mis ensemble pour créer cette compétition-là de détecter des talents en art et en technologie. 30 candidats, hein, voilà, et au cours de ce show final-là qui va se passer au Canal Olympia Middle le 8 décembre prochain, il y aura la présence de Kone Gangster, Seth Lowe, Joe, qui est surtout Lil J depuis la Côte d'Ivoire. Ouais, mais je serai de la partie, je serai là. Donc, allez, je vous invite à venir massivement le 8 décembre prochain au Canal Olympia Midair. C'est celui qui se trouve derrière le marché de Cacabili, là. Voilà. Venez massivement, l'entrée à 2000 francs, réservation 5000 francs. Le numéro, c'est en bas de l'écran. Voilà. Comme je le disais, le grand frère Timothée, voilà, dans une de ses vidéos, a sorti un truc qui a vraiment... Bon, ça a choqué beaucoup de personnes, mais apparemment, ça n'a pas choqué les femmes. Les femmes qui font ce genre de trucs-là dans les commentaires n'ont pas été choquées. Hein. Non, sérieux. Parce que, voilà, vous savez très bien que le grand frère fait plusieurs vidéos et dans certaines vidéos, il fait ce genre d'annonces. Comme quoi, ce frère-là, à tel âge, il vit dans tel pays, il cherche femme pour relations sérieuses et tout ça là. Comme. Bien, mes frères de l'Amérique, et bien, 45 ans, et bien, me venir ici, et ni divorcé. Ouais, les dignes ont vidé que l'ado 25 à 35 ans, aussi gloire 38 ans, nous y a en relation, et nous sérieux là-haut. On nous t'a dit, jeune fille, on y a nous bon, on a un bon, hein, un coup gang, j'en ai dit non. On va un message, non, parce que nous sommes deux camés. Nous va marcher ou ma ou bara bara rentre parce que j'ai ou j'attends quoi. Mais pas j'ai un ballon. Lui il fait ça juste pour aider, il fait ça juste comme ça quoi. Mais il est venu faire une vidéo qui voilà qui a ouvert les yeux à nous autres qui n'ont pas voilà qui ne sommes pas vraiment comment est-ce que je vais le dire au courant des dessous de ça. Regardez la vidéo. Mais allez donc allez m'a servi comme une yuria. À mon qu'on a au live, le TikTok dit les filles, le 10, on a beaucoup de temps, la célibataire, au live, quoi, toi, mais on a galamo aussi, hein? Vidéo, moué, quoi, quoi, non, mais les tchangs, on a inscription, n'est-ce pas? Inscription, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Inscription. Qu'est-ce qu'on va aller demain, comme, maintenant, business, que le TikTok dit les filles, maintenant, moi, les bombes, ou, j'ai branché, mais, quoi, moi, à mon roi, on a 10 000, mais, roi, on a 15 000, mais, roi, on a 20 000, n'y'a, oh, mais, ça, m'y a, non, vieux, mais, célibat, ça, les doigts, joie, moi, on les pommes, donc, comme ça,
les autres utilisateurs de TikTok qui font ce genre de vidéos en dessous, ils prennent des frais d'inscription, des frais de souscription du genre avant qu'on ne te mette en contact avec un homme ou bien une femme qui cherche relation, on doit te prendre de l'argent. Non, regardez même les commentaires, les femmes ont confirmé. Allant de 10, 15, 25 000 à 30 000 à 35, 40, 50 000. Des gens, quelqu'un cherche mari, quelqu'un cherche femme, et lui, il vient faire l'annonce. Donc, avant qu'il ou bien elle ne te mette en contact avec cette personne-là, tu donnes de l'argent. Ouais, quel business. Quel business. Quel business. Et apparemment, ouais, c'est pas problématique, hein, c'est aucun problème pour les femmes qui sont en quête de mari. Oui, parce qu'elles payent. Elle est business. Mais ma question est celle-ci. Et si on vous met en contact et puis l'homme, bon, tu n'es pas le genre de l'homme en question, tu fais quoi? Voilà, trois en cavalo. Ah oui! C'est une histoire de mettre en contact avec l'homme qui cherche femme. Mais si on te met en contact avec l'homme en question et tu n'es pas le goût de l'homme, égapion. Business et agnolo. Si on te met en contact avec l'homme et l'homme n'est pas toi-même ton goût, si on te met en contact avec l'homme et puis ça n'a pas abouti, il est juste venu te mougou bien bon et puis il a disparu. Non, ça montre à quel point l'histoire de chercher mari, chercher femme dans le pays là, dans le monde aujourd'hui, c'est vraiment, c'est grave. Hein? Les gens sont je suis choqué de lire les commentaires des femmes qui disent que voilà, des gens prennent jusqu'à 50 000 francs, 40, 50 000 francs. Tu as le business, ça, mais. Tu as là, envoyez-moi vos trucs, là, je vais faire l'annonce pour vous. Non. Et puis les gens, les femmes payent pour avoir mari, pour qu'on les mette en contact avec des maris potentiels. Il ne sait pas comment ça marche. Les gens vont te mettre en contact et puis tu vas rentrer en contact avec le gars pour dire oui, coucou, c'est moi, on m'a donné ton numéro, comme quoi tu cherches femme, donc je suis là, je suis disponible. Voilà. Comment ça marche même? J'ai une situation mécanique, programme. Oui, parce que c'est pas. It's not genuine, like. C'est pas vraiment. C'est pas naturel, quoi. C'est comme si j'ai un scénario de. Il y a des. Et ce qui est bizarre encore, c'est que il y a des gens qui payent. Mais on ne les met pas en contact avec les hommes en question. On ne les met pas en contact avec les femmes en question. Il y a des gens, des femmes ou des hommes qui payent. Et puis. Toto le gérant, celui qui gère les dossiers là, qui met les gens en contact là, il est bloqué parce que voilà, et nous avons, il a mis en contact. le grand frère, il m'a envoyé un message pour vous, regardez. Il y a beaucoup de gens qui regardent aussi le TikTok de les filles. Mais il a dit sur nous là derrière. Mais on a la vidéo là. Et son question, c'est que blague, ben nous bénis. Mais on va pas très grave. Mais comme il y a des gens qui sont assis, il y a des gens qui sont assis. Mais il y a sinon, assis, il y a des miadis. On peut me donner un message, au capture d'écran, il y a des photos, les bonnes, il y a des numéros, les bonnes. Dès que nous avons 50 000 amers aussi, nous avons pas mis la bloqué, amers 30 000, nous avons mis la bloqué, nous avons menacé amers, nous avons zoom amers, amers, nous avons entendu, il y a des groupes qui nous ont, nous avons branché un souono, un souono, deux jours, quoi, ou à trois tournants, nous avons eu un balai de relation, nous avons des peuples les filles. Mais laissez comme ça. N'est miami, quoi, ben, et nous, qu'elle n'y t'aime beaucoup en amour. Et nous, qu'elle n'y veut, c'est sénat, mais où, miami, là-bas, nous exploiter, à, fipo, détourmini. Vous êtes des maudits. N'est-ce pas, les maudits, ou, mais maintenant, nous exploiter, à, après, à, mais quoi, si, bébé, non, on doit, on sait, on doit voir, on m'a dit, on doit, qu'on a eu, hier, on mettait, bon, audace, mais, alors, 50 000 amis, si, gamme, les lomé, les filles, voilà, trop bloqué, à, mais, après, là, trop menacé, quoi. On blé, ami, parce que, n'est-ce pas, les bonnes. N'y a un gars, promis, gendarmerie, justice, mille, directement. On l'a démantelé, mais des cas, qu'est-ce? Y a bien gommé? Monsieur, ben, Dieu, ben, y'a, mais, quoi, ben, là, va, t'es, pour avoir un message, n'a, mais, les jeans sous l'arrière. Monsieur, mais, les fonds, nous, pourquoi? Avant, le message, n'a, mais, les jeans sous l'arrière.
et nous améro. Donc à mille benam yaroko, mille benam yaroko, ne m'y n'y sou koudon yon ouare, mi ba en live, ne m'y a ba hogala, me recibe yo jadjin sou ne belade, ne m'y a ba bloke ke. Au moins ne m'y a hogala, moi aussi yanou ke ti m'y a hogala, mi non wena moue. Au moins ça, ne m'y a wena moua là, d'accord. Vanke m'y a hogala, moi aussi pa m'y a bloke a meo. N'y a pas de la musique pour la bloquer, n'y a pas de la musique pour nous menacer au pays. Mi baweke, prévoir les bonnes, n'y a pas de photo les bonnes, n'y a pas de numéro, tout est là. Justice, Mila avait dogolé. Mais quelque part, je me dis, bon, on t'a eu balo, j'ai bien les mettre en caméra en contact, on t'a eu balo. Si je te mets en contact avec un gars ou bien une femme, ça n'a pas marché. Bon, c'est ton problème, ce n'est plus mon problème, mais là où? La personne va prendre l'argent et puis il va pas faire son boulot du genre mettre en contact celui qui a payé et celui qui cherche là. C'est là où il y a un petit problème. Oui, c'est là où il y a un problème. Mais si tu te mets en contact avec le gars et ça n'a pas marché, ou bien il est venu juste te mougou, il a disparu, ou bien il n'est pas à ton goût, ou bien tu n'es pas à son goût. Voilà, ce n'est plus mon problème. Ou bien, ce n'est plus mon problème alors. Mais chercher mari, chercher femme, c'est grave. Hein. Jusqu'à, on dit que non, mais Adjane va le menacer grand frère parce que il a vu sa copine commenter comme quoi elle est intéressée par l'homme dont on fait l'annonce. Oui, déjà, le grand frère a fait une annonce pour dire que cet homme, tel âge, vivant dans tel pays, cherche femme, tant. Et puis dans le commentaire, il y a une fille qui est venue faire le commentaire comme quoi elle est intéressée. Elle a un gars. Et le gars a vu le commentaire. Et puis, il est venu charger le grand frère comme quoi. Il veut monter, il va aller en commentaire. Il dit, avec ta grand frère, alors. Mais elle est fou. Que tu as une femme, tu as un homme dans ta vie. Mais c'est toi qui viens commenter comme quoi tu es intéressé par l'homme qui cherche femme. Non, balle perdue. Ça c'est pas balle perdue pour son gars. C'est balle réelle même. Balle réelle. Le pire, c'est que les femmes n'imaginent pas que leurs hommes peuvent tomber sur ce genre de commentaires. Et c'est le cas. Et mes gars, en tout cas, gardez-vous bien. Parce que après là, il y a vraiment d'opportunités de business partout. Hein. Regardez vous-même. Imagine, tu fais une annonce comme ça et puis 3, 4, 5 filles rentrent dans ton inbox pour au moins 20-25 colos. Allez, on a tapé balle et puis avec une seule vidéo sur TikTok. Hein. Idée de business, il faut entreprendre. Les lots, c'est la vie. Oui, l'histoire là, c'est l'histoire d'un gars qui s'est fait chicoter par son pasteur. Voilà, ça se déroule au Gabon. Chicotement quoi. Parce qu'il est parti draguer une fille qui, d'après le pasteur, est sa fille spirituelle. Oh, je doute, hein. Je doute si c'est seulement une affaire de fille spirituelle. Parce que c'est, comment est-ce que l'histoire, c'est quoi l'histoire, même? Oui, j'ai amené ça ici parce que j'étais choqué, quoi. Je me suis dit, pasteur, Blibouma. Oui, le gars dit que voilà, ça fait plus d'un mois qu'il est en train de, voilà, faire des avances à une go dans son église, voilà. Et puis, c'est arrivé au moment où la go s'est dit, bon, ok, je crois que je kiffe bien ce gars et tout ça là. Elle a accepté l'avance. Et puis le gars a passé une journée avec la go. Une journée, genre, ils ont passé la journée ensemble. Voilà, vous comprenez. Netflix, c'est un chill, mais tu es un barreau, Kudo. Voilà. Mais, grand est de la surprise que le gars s'est fait interpeller par le pasteur de l'église en question. Et puis, le pasteur l'a chicoté. Comme quoi, il n'a pas le droit de flirter, de passer la journée, d'avoir du temps, de passer du temps avec la fille en question, que la fille, c'est sa fille spirituelle. Cacao! Au trop courant, Kayo, qu'on a ton vie à propre. Regardez la vidéo. Pour avoir commis le péché d'entretenir une relation amoureuse avec une sœur en Christ de l'église Colombe de Vie, située au quartier Badegégué, le jeune Chélo a payé les frais de sa romance en se faisant séquestrer et molester par le pasteur de la dite église qui n'aurait pas digéré que sa fille spirituelle copule avec un impie. Il dit, qu'est-ce qui se passe avec la fille? Alors, je vais l'expliquer. Ça fait plus d'un mois. Je fais des avances à la fille. Bon, hier, elle a joué utile qu'on se mette ensemble. Nous nous sommes mis ensemble hier et on a passé une journée. Voilà ce qui s'est passé. Elle a commencé à me taper dessus. En me tapant dessus deux, trois fois. La quatrième fois, j'ai attrapé le fil. Vouloir me défendre. Il me dit, tu ne sais pas à qui tu te frottes parce que
Tous ceux qui se sont frottés à moi savent de quoi il s'agit. Le pasteur aurait malmené le jeune homme dans son bureau à l'aide des câbles électriques soigneusement tressés sous les regards complices des éléments de sécurité de l'église. Il aurait par la suite demandé à sa victime de rédiger une déposition dans laquelle elle devrait reconnaître avoir violé la jeune sœur en Christ. Et pour une fille qu'on viole, elle prend une douche chez moi, on boit un jus à la fin, j'achète même une nouvelle savonnette pour qu'elle se lave. On passe toute la journée de midi à 19h pour une fille qu'on a violée. Avec ses parents, Chelo aurait tenté de rencontrer à nouveau l'homme de Dieu, mais en vain. Rappelons que ce jeune homme était arrivé dans cette église à l'appel du pasteur pour former les musiciens et les chantres. Une plainte a été donc déposée contre le pasteur. Non, Moussougourou, jusqu'à lui faire signer, remplir une fiche comme quoi il a violé la fille. Regardez l'explication que le gars a donnée. Comment est-ce qu'on peut violer quelqu'un qui a oplé à Dimane, Bele, Sikeke, Koutor? Hey! Mais c'est là où je me dis que l'histoire en question n'est pas ça. C'est pas une question de pasteur et fille spirituelle. Non! On dirait que la fille en question, c'est la go du pasteur. Ah oui, comment est-ce que tu expliques ça? Que Souho va les combattre, comme quoi il a. Voilà! Ouais. Moi, je dis, c'est que la fille. C'est la gauche du pasteur. Sinon, le pasteur n'aurait agi ainsi. Non. Mais le pasteur, va agir, mais non. Ouais, si c'est pas son mousseau, c'est le père de la fille en question, c'est le pasteur. C'est la raison pour laquelle le pasteur est juste jaloux. C'est ce que moi je pense. Hein. C'est ce que moi je pense que le pasteur est jaloux. C'est pourquoi, les combattants, Ameoubevi, hein? Comment est-ce que vous trouvez ça? Dites-moi dans les commentaires si c'est normal comme ça. Hein? Voilà qu'on a porté plainte maintenant à l'église. Non, on a porté plainte contre le pasteur maintenant. Devant les juges, il va expliquer ça comment. On va poser la question, est-ce que c'est ta fille? Non. On va poser la question à la fille, est-ce qu'on t'a violé? Elle va dire non. En tout cas, dites-moi dans les commentaires, mesdames et messieurs, comment est-ce que vous trouvez ça? Si vous étiez à la place du gars, qu'auriez-vous fait? À part aller porter plainte. Dites-moi dans les commentaires. Dites-moi aussi ce que vous pensez de l'histoire de celles qui cherchent mari. Jusqu'à aller payer quelqu'un qui les met pour les mettre en contact avec des maris potentiels. Surtout vivant en Bengue. C'est gâté. En tout cas, mesdames et messieurs, c'est ça qui nous amène à la fin de cet épisode de Obeliki Réaction. Non, pourquoi? Qu'est-ce que tu racontes? Je l'ai l'auteur. On se donne rendez-vous au prochain épisode. D'ici là, portez-vous bien.